Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un site internet que j'adore. C'est le potiron.fr. Car c'est un site où tous les jardiniers amateurs ou professionnels peuvent s'inscrire. C'est un site d'annonce où on peut donner ou vendre ses produits de son jardin à des consommateurs qui habitent à proximité, ou on peut troquer ses légumes, enfin les produits de son jardin avec d'autres jardiniers par exemple. Cela permet aussi de faire des rencontres entre jardiniers pour parler de la même passion. Maintenant, on va voir concrètement le fonctionnement de ce site. Donc, qui est très intéressant. Donc, si vous voulez aller sur ce site, vous allez dans la barre Google de votre ordinateur et vous tapez lepotiron.fr. Et ainsi, le lien va vous emmener sur cette page d'accueil. Voilà, où vous voyez une carte de France avec tous les jardiniers qui se sont inscrits sur ce site. Donc, si vous voulez vous inscrire sur ce site en tant que jardinier professionnel ou amateur, il faut vous pouvez créer votre profil. Moi ici, il y a marqué mon profil, mais en fait celui-là qui n'est pas inscrit, il y a marqué créer son profil. Donc, vous tapez sur créer son profil, vous tombez sur une page comme ça. Et vous mettez votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone et un mot de passe. Et ensuite, cliquez sur enregistrer. Et ensuite, vous allez recevoir un email pour activer la création de votre profil. Voilà. Donc, une fois votre profil créé sur ce site internet, vous allez dans la page Mon Jardin. Et dans Mon Jardin, vous remplissez bien complètement cette page pour donner des informations très précises sur votre jardin. Par exemple, pour les personnes à proximité de votre jardin qui recherchent des légumes frais ou des fruits frais, qu'il voit votre description très complète. Donc dans le jardin, donc vous notez en premier si vous êtes un particulier ou un professionnel et vos pratiques au jardin. Par exemple, si vous mettez pas de produits jardin naturel, si vous faites de la permaculture, si par exemple vous voulez faire visiter votre jardin, si vous faites des Vous êtes un jardin partagé avec d'autres, ou si vous mettez des pesticides occasionnellement. Donc, quand vous avez rempli ça, il faut bien remplir la description, le nom de votre jardin, comme j'ai fait pour mon jardin. Vous voyez, le jardin de la Villa, après une description assez complète. Et vous indiquez aussi bien la localisation de votre jardin. Et n'hésitez pas aussi à mettre des photos de votre jardin, c'est très très important. C'est plus, comment dire, il y aura un profil plus complet. L'onglet sera plus complet. Et aussi, on va passer à une chose importante, c'est faut remplir. Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin comme produit? Qu'est-ce que vous avez en trop? Qu'est-ce que vous voulez troquer? Qu'est-ce que vous voulez donner? Donc, par exemple, moi j'ai des poules, donc j'ai des œufs, donc j'ai marqué œuf. Voilà, mais je peux vous montrer un exemple. Par exemple, à l'été, il y aura plus de légumes. Par exemple, voilà. Donc on va regarder ça ensemble, toute la liste. Voilà, vous avez tout type de légumes.
Vous avez les arbres fruitiers. Voilà les fruits, les confitures, l'eau florale. Vous avez plein de ketchup, du piment, du kumquat, du laurier. Vous avez plein de choix dans cette liste parmi tout ce que vous pouvez faire dans votre jardin, quoi, en fait, à partir de votre jardin. Par exemple, vous voulez vendre du terreau ou troquer du terreau, vous marquez terreau. Après, si par exemple, voilà, si vous avez des. S'il y a du fumier que vous voulez troquer, vous mettez fumier. Donc pour vous montrer pour les tomates, donc par exemple pour les tomates, j'ai marqué multivariété, Marmande, Fournaise. Après, si c'est au printemps, vous marquez que les tomates poussent. Si vous êtes à l'été et que vous avez trop de tomates, un surplus de tomates, vous pouvez. Si vous voulez, vous avez un peu de tomates en trop, hop, vous pouvez donner, troquer ou vendre comme vous voulez. Après, si vous en avez vraiment en abondance, vous marquez abondance, et puis après à donner, à troquer, à vendre, hein, ce que vous voulez. On va rajouter une juste pour vous montrer. Par exemple, au mois de septembre, quand il y aura les potirons. Donc, potirons. Voilà. Si c'est il y a une récolte, si vous en avez un petit peu en trop des potirons, ben vous faites pareil. Vous marquez la variété. Par exemple, les rouges vives des tempes, comme je fais tout le temps. Et puis pareil, vous marquez à donner, à troquer ou à vendre. Et quand vous avez marqué tout ce que vous avez en trop dans votre jardin ou les produits dérivés de votre jardin, comme du fumier, du compost, la liste qu'on a vue tout à l'heure, quoi. Ben vous faites sauvegarder mon jardin. Et comme ça, tous ceux qui vont visiter le site internet lepotiron.fr vont voir votre jardin avec la localisation de la carte et ainsi voir tous les légumes ou fruits que vous avez en trop. Et ce que vous voulez en faire. Donc moi je vais pas sauvegarder parce que bon c'est pas l'époque. Et donc là bah, là vous pouvez je supprimer les lignes, voilà, pour garder les lignes que j'avais, quoi. Et là je vais faire sauvegarder mon jardin, mais ça va rien changer. Voilà. Donc ensuite si vous avez des questions sur ce site, il y a la foire aux questions, toutes les questions qui vous intéressent. Si vous voulez contacter le site, vous allez dans contacter, il y a un formulaire. Si vous voulez savoir qui c'est le potiron.fr, vous avez tous les renseignements. Voilà. Avec toute la description, un blog où il y a des articles sur ce site justement. Donc une page très importante pour ce site, bien sûr, c'est la recherche des jardins. Donc si vous êtes un consommateur qui voulait des produits frais de la ferme, des produits frais des jardins, pardon. Des jardins amateurs ou professionnels, vous indiquez votre lieu, vous choisissez le produit que vous voulez et vous allez trouver. Donc, on voit une carte de France super bien détaillée avec tous les jardins représentés avec des petits points orange. Donc, là, vous mettez votre région et vous allez voir les jardins qui sont à proximité de votre domicile et peut-être que dans ces jardins il y aura quelque chose que vous désirez et que les gens veulent troquer ou vendre, quoi, à petit prix.
Sinon, si vous êtes un jardinier déjà inscrit sur ce site et que vous voulez troquer vos légumes, vous pouvez faire pareil, hein. Vous pouvez rechercher des jardins à proximité de chez vous et contacter le poticulteur, enfin celui-là qui est inscrit sur ce site s'appelle le poticulteur, donc par mail. Et vous lui demandez à troquer quelques légumes, des fruits, ou voilà ce que vous voulez, quoi, proche de votre domicile. Donc, pour conclure cette vidéo, je dirais que vous soyez jardinier ou consommateur, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce site. Vous pourriez trouver quelque chose qui vous intéresse, quoi. Voilà, donc cette vidéo c'était destinée à ce site que j'aime bien. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.